Coucou les fragiles. Bon, on est où? On a Walter. On a un petit bossin là. On a Nat. Je vais mettre un peu de lumière. Nat, vous l'avez vu sur la vidéo de la Saint-Élion. On a Fabien qui est parti jouer avec les élites, qui va redescendre dans quelques secondes. Et puis à moi. On est au Bessa ou au Bessa, je sais pas comment ça se dit. Bessa. Au Bessa. Bessa, la ville la plus haute du département de la Loire, pour une course de 14 km ou 13 km contre le lymphome qui s'appelle la nuit blanche du Pilat. Donc la nuit blanche, bah, vous comprenez pourquoi, parce qu'on va courir de nuit, alors j'espère pas toute la nuit, et blanche parce que on est dans la neige et il fait moins 5, je crois. Ressenti que je... moins 25. Hein. Moins 25. Ressenti, hein. Ah, il est là, le fragile. Ah, purée. Voilà. Et donc, c'est une course qui est pas interdite aux mineurs. Je sais pourquoi j'arrive pas à boire. C'était gelé dans le tuyau. Ben voilà, c'était gelé dans le tuyau. Vous voyez un peu la fraîcheur qu'il fait. Donc, on part dans les bois. Et on essaiera de faire des... de commenter. J'espère que la batterie de la GoPro va tenir, parce qu'avec le froid en général elle supporte pas trop. Alors vu que je viens d'arriver, je sais pas si une dédicace Arnaud, le petit fragile qui ne s'est pas inscrit à la course. Arnaud, ah, tu parles Arnaud le lâche? Oui, voilà, ah, c'est ça. Oui, Arnaud. Oui, bah pardon, ouais. Tu as fait de moi un homme fragile. Ouais, voilà. Ouais, moi qu'Arnaud. Et d'ailleurs, Arnaud, on attend toujours ton inscription pour le 100 bornes et l'ultra. Hein. C'est ça. Nat, commentaire. Premier trail avec nous, avec la team fragile. Oui, j'ai peur. Mais y'a pas de quoi. J'ai peur. Walter, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on dit, on y va. On y va. On va courir dans la neige. C'est ça. On va se faire plaisir. Allez, on est bien. Je vous reprends tout à l'heure, j'essaye de faire le départ comme je le rate à chaque fois. Mais là, on est loin. Vous voulez voir un coup? Non, ça va pour moi. C'est bon, j'ai. Et on est... Alors... Bon, voilà, il faut quand même dire que cette course, c'est une association qui s'appelle 100% Sport. Et c'est l'intégralité des fonds de la course est reversée contre... enfin, du moins, pour lutter contre le lymphome. Donc contre le lymphome. Et chaque année, c'est des très bonnes organisations. Il y aura un peu plus tard les foulées de Chasse-sur-Rhône. Il y a eu hier une marche, je crois. Et bah, en fait, il faut venir juste pour ça, quoi. Mais on se fait plaisir en même temps. Voilà. C'est parti. Attends. Bah, je pars dernier, c'est juste une question de fierté, hein. C'est que pour personne me double. Ouais. Bah, on se retrouvera pas, je pense, hein. Merci. Merci. C'était à droite. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, ça descend, c'est là où nos poids ils nous avantagent. Ah, la gravité. Prenez 20 kilos, 20-30 kilos. Vous avez vu une boule de neige? Ils ont pas donné la piste. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Alors,
On est au niveau de la croix de Chaubourret, dans le massif du Pilat. Massif du Pilat qui fait partie de l'extrême est du massif central. Et Chaubourret, ça vient de Chaubourret, qui veut dire cime dénudée, exposée au vent du nord. Donc c'est vous dire que ça souffle et que ça fait froid. Voilà. C'est ça. Voilà. Reconvertis-toi, fais chauffeur. Fais faire de salle. Et en fallait pas plus. Merci. Allez, 1,6 km On est tranquille. On est tous ensemble. Bon. Fabien, c'est un chamois. Il glisse sur la neige. Bon alors, un peu de cours d'histoire. Le Pilat. Pourquoi ça s'appelle le Pilat? En fait, il y a deux... Merci pour la musique. Il y a deux versions. La première, c'est que ça viendrait du latin pilae, ce qui peut être une raison audible. Et une autre qui dit que Ponce Pilate, empereur romain, serait venu se suicider ici, aux alentours de Vienne. Et donc de Pilat, Ponce Pilate, Pilate, Pilat. Voilà, en trois briques. Sur secretdhistoire.tv, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur l'histoire et sur le patrimoine. En direct avec les meneurs d'allure. Ah, allez ça, cette foulée. Ah, c'est beau. Oh, bravo. Oh, je m'étais promis de pas pleurer, mais c'est magnifique. Allez, go. Oups. Ouh. Voilà, je suis avec Marianne et Hugo. Salut. Ils font que papoter depuis tout à l'heure. Non, c'est Allez, on arrive bientôt dans l'endroit là, animé de la course. Ça doit être le 8e kilomètre, je crois. Ou avant, jadis, il y avait un ravito là. Non, non, il n'y en a pas. Non, là, il n'y en a pas, mais avant, il y en avait un. Avant Covid. Oui, ils arrivent. J'avais pas fait une boue. Par contre, les baskets, on a dit non. Hein. Ah, tes baskets, tu rentres pas. Ah, c'est un temps normal, le talon sur moi, c'est pas trop ça. Alors. Petit, je viens, mais on va se faire. Ouais. Bravo, merci. Allez, on est au à peu près 8e kilomètre. On a fait une bonne descente et on va attaquer une partie en montée. Walter et Nat sont derrière, pas très loin. Fabien est devant, pas très loin. Et voilà. Le Bessa, c'est à 1200 mètres à peu près d'altitude. C'est l'équivalent de l'Aclusa village. Donc, ça fait déjà froid. Hein. On est à 9 km. Tout à l'heure, j'ai regardé. Ouais. Juste avant de monter, on est à 8 bornes. Ah, voilà, on fait une montée. Alors, une technique pour monter sans difficulté, c'est qu'il faut se mettre perpendiculaire
à la pente. Et là, oh, ça va. Ça monte tout seul, c'est comme si on était sur du plat. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi vous ne courez plus? Eh ben, comment veux-tu que monte une côte pareille? C'est facile, il suffit de faire comme s'il n'y avait pas de côte à monter. Ah oui, vas-y, explique-toi. Eh ben, regarde, votre erreur, c'est quand vous montez une côte, c'est de vous pencher en avant. Comment on doit faire? Il faut se remettre perpendiculaire à la côte, comme quand on est sur terrain plat. Essayez, mais je ne vous garantis pas le résultat. Bon, là, je vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est une question de ne pas gêner les autres qui sont en difficulté. Allez, mais c'est bien joli toujours. Je sais pas si on va voir grand chose. Non. Attends, je t'éclaire un peu là, mais. Regarde là. Je filme les frontales derrière. Hop. Et on n'a pas froid. Hein. Ah, bien on a même chaud, ouais. Même. Et pourtant, l'eau dans ma gourde a gelé. Donc je peux pas boire pour le moment. Ah, tu vois, là, on monte, il y a un petit peu de fièvre. Ouais. Puis parce qu'on marche plus, surtout, encore plus. Mais voilà, je vais prendre, dès qu'on va être un peu sur du plat, là, je vais enlever la glace. Parce que j'ai besoin de m'hydrater. Allez! Bon, on est arrivé. Bah oui. Et on se caille. On se caille, il fait trop bravo froid. Bravo Walter. Il fait trop froid. Pat, championne, bravo. Toujours là. Fabien, toujours devant. Et moi je suis là aussi. C'était une belle course, on a eu un peu froid sur la fin. Mais c'était sympa. Le mur là, il m'a tué. Le mur. Le mur. À la prochaine. Monte, après ça fait le petit virage là. J'ai pris une bourrasque de neige. Et à la prochaine. À la prochaine. Allez, prochaine avec à bientôt. Et avec Arnaud peut-être. Ouais. C'est fragile. Ah, le fragile. Arnaud. Mais voilà, non.